Bonsoir à tous. Alors on a ce bonheur dans la communauté Neoma Alumni d'avoir énormément de diplômés qui travaillent dans ce secteur. Tu citais le chiffre, hein. 25%, c'est numéro 2 derrière les financiers. Bravo aux financiers pour leur dynamisme. L'autre symbole qui fait le dynamisme aujourd'hui de ce métier dans la communauté, c'est l'activité du club marketing, un club professionnel qui existe maintenant depuis 9 ans et qui a organisé depuis une cinquantaine de rencontres, et encore hier soir, une très belle rencontre où vous n'étiez pas présent malheureusement. Il devait y avoir deux personnes dans l'assemblée qui étaient présentes. Donc une cinquantaine de diplômés hier soir qui étaient présents pour parler du digital. Ce soir, parmi nos 10 000 diplômés qui travaillent en marketing et communication, on a le bonheur de remettre un prix à une diplômée brillante, diplômée 1993, Madame Christelle Aignon, qui est passée par les éditions Hachette, également par le groupe Atlas, et qui depuis s'est spécialisée dans le digital, puisque le marketing c'est aussi le digital, elle nous en parlera extrêmement bien, et qui est donc devenue directrice du digital chez Yves Rocher, et depuis 2013 chez Petit Bateau. Alors je vous fais une confidence ce soir, puisque j'ai le bonheur de porter des sous-vêtements à Petit Bateau. Je voulais partager ce bonheur avec vous. Messieurs, n'hésitez pas, il y a une très belle boutique de Vaugirard à 500 mètres. Donc voilà, n'hésitez pas, une marque qui est superbe. Je vous fais de la publicité et je vous prie d'accueillir comme il se doit Madame Christelle Aignon. J'ai une confidence à vous faire aussi. J'étais super fière de ce prix et je vous en remercie tous. Et j'étais tellement fière que sur ma tablette, j'avais le programme. Et donc, je le montre à ma RH hyper, hyper fière en disant « Regarde, je vais pouvoir avoir ça, présenter ça et tout. » Bon, elle parcourt les choses et me fait « Oh, mais il y a Chris Esquer, Christelle !» Mais, et en fait, il n'y a que ça qui m'intéressait. Donc, moi, Sylvine, elle vous adore. Donc voilà, bon, je vous remercie tous infiniment, je suis très touchée par ce prix, d'abord parce que j'ai eu la chance d'intégrer Neoma à la suite d'une maîtrise d'histoire que j'ai obtenue il n'y a pas très loin d'ici, et Neoma pour moi c'était le CFA, donc c'était cette formation qui se faisait en 18 mois et dans laquelle on arrivait avec très peu de connaissances autour des métiers du management. Et moi, j'ai beaucoup travaillé pendant ces 18 mois pour pouvoir arriver à un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir intégrer l'entreprise. Et c'est vrai que ça m'a permis d'acquérir évidemment beaucoup de compétences essentielles pour pouvoir aller travailler en entreprise. Mais surtout, cette école, elle m'a ouvert l'esprit à deux points qui me paraissent essentiels et qui ont été cités tout à l'heure. C'est d'abord être suffisamment ouvert au changement. Et le changement aujourd'hui, c'est ce qu'on connaisse toutes les entreprises. Et c'est ce que je connais particulièrement beaucoup dans le digital, puisque toutes les choses sont sous les deux mois, et puis l'international. Alors, moi, j'ai envie aussi de vous parler du groupe Yves Rocher. J'y travaille depuis 15 ans. Tous les trois ans, j'ai eu la chance de changer de poste. C'est une société à laquelle je suis très attachée, d'abord parce qu'ils m'ont fait confiance, bien sûr, mais parce qu'aussi, on a des valeurs très, très fortes autour de la qualité et de la responsabilité et enfin de la confiance. Et puis depuis 4 ans, je suis dans cette maison centenaire qui est Petit Bateau et j'ai la chance, avec le comité de direction, d'œuvrer au cœur des grandes transformations des entreprises et de l'économie aujourd'hui. Ces grandes transformations, elles sont de trois ordres. D'abord, la transformation industrielle. Vous savez que Petit Bateau continue à produire une grande partie des produits que nous vendons et que porte monsieur aujourd'hui. Et donc ça, on en est très fiers avec notre pôle troyen qui n'est pas très loin de Reims où j'étais. C'est vraiment un facteur d'opportunité très forte aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'international. Petit Bateau distribue dans plus de 65 pays et a des progressions assez vertigineuses en Asie et notamment au Japon, mais aussi en Chine. Et enfin, le dernier point pour lequel je travaille, mais pas seulement, c'est effectivement le digital. Le digital qui révolutionne beaucoup de choses et qui révolutionne à la fois les organisations, mais aussi évidemment la vie de nos clientes. Et c'est finalement le plus important. Dernier mot, je suis très 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 touchée aussi de travailler dans le digital pour mes équipes et aussi d'avoir ce prix-là, parce que tous les jours on œuvre pour pouvoir transformer cette société dans un mode très collaboratif avec des travaux sur le leadership qui sont très importants
et très heureuse que finalement, à travers le prix marketing, on récompense aussi des travaux sur le digital, puisque le digital fait partie vraiment de façon très, très, très forte de la composante marketing de nos entreprises. Merci à tous. Merci.